Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Kurokarasu TCG and Metal. Donc, ceci est la vidéo de présentation de ma chaîne, comme vous pouvez vous en douter. Elle va parler essentiellement de TCG, c'est pour ça que c'est le premier mot dans la suite de mon nom. Et je suis Kurokarasu du coup. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver comme TCG? Essentiellement du Cardfight Vanguard, parce que c'est le jeu auquel je joue le plus en ces derniers temps. Mais vous allez également trouver d'autres jeux de cartes, hein. Je peux citer du Battle Spirits ou prochainement du Luck and Logic. À propos de ces TCG, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver à propos de ces trucs? Donc on va trouver principalement des unboxings, enfin des fights d'abord. Tout d'abord on va trouver des fights, donc vous allez voir des matchs filmés, que ça soit chez moi, chez un pote ou en tournoi. Vous allez également trouver des unboxings, par exemple, de ce genre de truc. Donc là, par exemple, c'est un trial deck, mais on va avoir également des ouvertures de boîtes. Voilà. On va également avoir, pour les TCG, des explications de règles, avec notamment la série À quoi on joue, où je tente d'expliquer les règles de certains jeux. Et c'est vrai que quand on est tout seul pour apprendre à jouer, c'est pas facile. Et quand il n'y a personne d'autre dans le coin ou que je connais, qui connaît les règles, c'est pas facile non plus. Dans mon nom, il y a Kurokarasu TCG and Metal. Metal, pourquoi? Je vais à des concerts, j'achète des goodies, je filme des lives. Pourquoi pas créer une deuxième chaîne, dans ce cas, pour juste les lives? La raison est que je vais pas à 150 000 concerts par an. Et donc, je fais à peu près un ou deux concerts tous les 2-3 mois. À Dijon, c'est pas facile, donc on évite coincé. Cette année, vous avez pu voir en 2015 que j'ai eu pas mal de sorties, pas mal de concerts. J'espère que ça continuera les années suivantes. Et du coup, je fais pas suffisamment de concerts pour dédier une chaîne 100% métal. Je pourrais faire des chroniques d'albums, des trucs comme ça, mais je suis pas suffisamment doué. Et du coup, ça reste une partie secondaire de ma chaîne. Donc voilà, en espérant que mes vidéos vous plairont et que on puisse se trouver également sur des conventions, puisque je suis sur les conventions dijonnaises, notamment sur le Dijon Saiton, pour présenter le TCG, essentiellement Cardfight Vanguard. Et donc je vous dis... Ciao, à plus !